monsieur Beleka na Congo number 1. Wow. Number 1. Tant que number 1 tout c'est bouter, number 2 terre. Number 1. C'est ça, président Raboy. Nous allons rabouiller quoi? Nous allons vraiment presser un mot. Il va number one, internet number one. Tu es number one. Tu es number one. Tu es number one. Tu es ont produit les moyens. La commission s'est basée sur les déclarations de députés pour déterminer sa conclusion. Non, écoutez, il y a une chose qui échappe souvent aux gens. La commission spéciale, donc l'Assemblée, ne fait pas ses enquêtes pour savoir si les faits mis à charge du député sont exacts ou inexacts. Non. La commission vérifie. La commission, pour la commission, les collègues qui est censé être poursuivi est innocent. Il jouit de la présomption d'innocence parce qu'il n'appartient pas à la commission d'établir la véracité des faits. Et quel était votre rôle? Notre rôle, c'est de vérifier si le procureur n'abuse pas. Le contraire, non. Le contraire, non. Si on remarque que le procureur a mis en place cette procédure de poursuite juste pour empêcher à un député ou à un sénateur d'exercer ses fonctions parlementaires, eh bien, c'est le rejet de la demande. Or, ça ne fut pas le cas. Il y a des faits. Est-ce que ces faits sont vrais ou faux? Parce que vous savez, il y a une chose aussi, M. Tshibassou, nous avons été préjudiciés, nous continuons d'être préjudiciés par l'absence de jurisprudence dans le domaine, dans notre pays. Il n'y a jamais eu un cas d'élevée des immunités parlementaires. C'est la première fois. Et il fallait maintenant, pour comprendre la procédure, se référer au droit comparé, notamment le droit européen, avec le Parlement européen, avec le droit français et avec d'autres droits qui ressemblent aux nôtres, ou si vous voulez, de la famille romano-germanique. Et on constate que les autres sont aujourd'hui plus avancés. Parce qu'en France, par exemple, lorsque il y a des soupçons sur le comportement infractionnel d'un député ou d'un parlementaire... Le cas du Sénégal, par exemple. Il y a deux possibilités. C'est-à-dire, soit le procureur général de la République demande la levée des immunités parlementaires, soit le député lui-même demande à sa chambre d'élever ses immunités pour lui permettre d'aller s'expliquer devant la justice et qu'il soit très rapidement lavé. Or, nous, j'ai l'impression que nous ne voulons jamais nous remettre en cause. C'est ainsi que, lorsqu'on dit qu'on a levé les immunités de Domi Dongala, cela ne signifie pas que nous sommes convaincus qu'il a posé des actes infractionnels. Non. Avez-vous joué le rôle d'un juge? Non, justement, nous ne sommes pas des juges. Nous ne pouvons pas juger les collègues, même pas le procureur général. Ce que nous avons à faire, c'est que nous nous mettons au milieu du collègue avec la partie poursuivante, pour vérifier est-ce que la partie qui veut poursuivre notre collègue... Vous ne l'avez pas jugé, vous l'avez entendu. Nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu pour apprécier la pertinence de sa propre demande. Monsieur le procureur général de la République, pourquoi voulez-vous poursuivre notre collègue? Qu'est-ce que vous recherchez à travers ceci? Le procureur, pour ceux qui n'ont pas suivi parce que la procédure est secrète, le procureur a subi un interrogatoire serré de la commission. Il a eu en plus 10 questions auxquelles il devait donner des réponses. Ça a été fait. La même chose a été faite pour notre collègue, pour que nous vérifions effectivement l'état de pertinence de la demande. Quant à savoir s'il est coupable ou... parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous reprochent de n'avoir pas appelé les prétendues victimes. Non, nous n'avons pas le droit de les appeler. Pour faire quoi avec eux, avec ces jeunes filles? On devait leur poser quel genre de questions? Parce que la commission n'est pas une juridiction. Elle n'est donc pas chargée d'établir que le collègue Domi Dongala est coupable ou non. Pas, ça ne nous intéresse pas. Ambroise Kamukuni, nous allons parler maintenant de l'honorable Roger Lumbala qui a été invalidé sa déchéance. Est-ce que vous avez respecté le texte légal? Ok, voilà, il y a aussi un cas, c'est celui de Roger Lumbala. Roger Lumbala était aussi poursuivi. Plus gravement encore, où était, si vous voulez, il y a une action pendante, des enquêtes,
qui devait être ouverte à sa charge, et le procureur général, s'agissant des députés nationaux, nous a au même moment saisi l'Assemblée nationale afin de voir lever les immunités de l'honorable Roger Lumbala et donc obtenir l'autorisation de le poursuivre ou d'engager des poursuites à sa charge. Et qu'est-ce qui est différent entre aujourd'hui, Roger Lumbala est invalidé, il n'est plus député. Oui, j'en viens parce que il faut commencer par là. Parce que les gens ne comprennent pas qu'on soit parti de Roger de Diomi Dongala et qu'on aboutisse à Roger Lumbala. Mais il y avait déjà les deux procédures concomitamment qui étaient poursuivies et la plénière de l'Assemblée nationale a invité par le biais du président de l'Assemblée nationale, Roger Lumbala, à venir donner son point de vue à l'Assemblée avant de constituer la commission spéciale chargée de les entendre, lui et le procureur général de la République. À cette séance-là, Roger Lumbala ne s'est jamais présenté, justement, comme vous le savez, il était en fuite. Et cela a traîné parce que le dossier de Diomi Dongala étant prêt, il avait commencé à être instruit. Nous sommes en session extraordinaire. Et en session extraordinaire, les faits et les points inscrits à l'ordre du jour doivent figurer dans la décision de convocation de cette session. Et ces cas de Roger Lumbala ne figuraient justement pas là-dedans. Mais le jour où... Il vous a reproché cela, le fait que son cas ne soit pas inscrit à l'ordre du jour. Et comment vous avez traité? Justement, nous avons traité par ceci. Vous savez, la plénière de l'Assemblée nationale est tout à fait souveraine. Lorsque nous traitons le cas Diomi Dongala, et il y a une motion du collègue Zangui qui fait sa motion. Et quelle motion? La motion incidentielle, où il dit ben, nous sommes en train de traiter le cas de Diomi Dongala, dont le procureur voudrait obtenir l'autorisation de poursuite pour viol des mineurs. Mais il y a un cas beaucoup plus grave. C'est-à-dire Roger Lumbala, qui est poursuivi pour trahison et est obtenu pour appartenance à un mouvement rebelle. Et il a rejoint justement le M23, cette bande d'aventuriers qui est en train d'assassiner notre peuple. Et c'est cela justement. Et cela est favorisé par quoi ? Par les déclarations la veille de Roger Lumbala Bunangana, où il se déclare officiellement, lui qui niait n'appartenir au M23, rejoint de ce mouvement en tant que vice-président du M23, chargé de représenter ce mouvement rebelle à Kampala. Voilà l'origine de la motion. Et le collègue demande quoi? Le collègue demande que nous ne pouvons pas examiner le cas de Diomi Dongala sans que le cas de Roger Lumbala soit aussi concerné. Et il demande en même temps, non seulement qu'on lève les immunités parlementaires, mais qu'on puisse le déchoir de son mandat. Dans ce cas, que dit la loi? Dans ce cas, la plénière de l'Assemblée nationale a reçu cette motion, l'a déclarée fondée, et comme les points n'étaient pas inscrits à l'ordre du jour, il a demandé au président de l'Assemblée nationale de modifier la décision de convocation, ce qui est totalement légal, de modifier... On a respecté les règlements intérieurs. Exactement. Et d'y insérer ces points. Et c'est ça qui a été fait. Et la plénière a insisté sur l'urgence qu'il y avait à prendre une décision rapide sur ces cas qui troublaient les consciences. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'un député national, c'est-à-dire quelqu'un qui a acquis le pouvoir de façon démocratique, que du jour au lendemain ne puisse plus se reconnaître pour se dire non, il est mieux, je ne vais plus respecter le peuple qui m'avait donné mandat, mais je me charge maintenant de tuer ce peuple pour arracher le pouvoir par la force. Ça n'a aucun sens. Et voilà pourquoi le président de l'Assemblée nationale a donc pris une nouvelle décision modifiant la première et insérant ainsi ce point à l'ordre du jour qui a été adopté par la plénière à la séance qui suivait. Mais parmi les raisons avancées par votre commission figurent les absences de Roger Lumbala. Ok, nous en venons. C'est-à-dire qu'en même temps,
qu'on prenne cette décision, on mettait aussi en place une commission spéciale chargée de tabler sur les Kalumbala. Et cette commission a justement étudié, en référence avec la motion du collègue Zangui, il a proposé la levée des immunités de Roger Lumbala et il a proposé aussi une autre voie, c'est-à-dire la déchéance. La déchéance, parce que le commun des mortels, la conscience de tout le monde estimait que Roger Lumbala, s'étant méconnu, il n'avait plus le droit de porter le titre de député national. Parce qu'un député national, ce n'est pas un rebelle. C'était un représentant du peuple qui a reçu démocratiquement le mandat de cela. Et la plénière a choisi. La plénière a choisi, c'est pour cette raison que beaucoup disent on n'a pas voté pour le cas de Lumbala, mais on n'a justement pas voté. Parce que l'article 110 de la Constitution prescrit les causes de la fin du mandat d'un parlementaire. Et dans cette fin, la Commission a examiné, a trouvé le point 6 où il est écrit qu'en cas d'absence non justifiée, non autorisée du député, pendant plus d'un quart de séance d'une session, on perd le mandat. Alors, la Commission n'a pas voulu se débattre beaucoup plus loin, parce qu'il y avait deux possibilités. Ou bien, essayer de déchoir Lumbala sur base de sa trahison. Mais pour aller à dans cette voie, il eut fallu que le procureur général de la République poursuive Lumbala jusqu'à la fin, l'amène devant les juridictions compétentes et qu'il soit condamné et qu'il soit frappé par un jugement ou un arrêt devenu irrévocable. Et vous voyez la procédure, elle est très longue. C'est pour cette raison que cette commission a analysé le plus facile. Lumbala s'est absenté pendant pratiquement la totalité des séances, mais pas parce qu'il était empêché, pas parce qu'il était malade, mais parce qu'il était en train de... La déchéance de Roger Lumbala, il perd tous ses droits. Oui, il est déchu de son mandat député. Et c'est ce qu'on s'est dit. Pourquoi lever les immunités parlementaires de quelqu'un qui ne l'est plus? Voilà pourquoi on a estimé que la déchéance du mandat valait mieux que la levée des immunités parlementaires. Parce que quand vous n'êtes plus député, vous n'avez pas ces immunités. Et le procureur peut vous cueillir à tout moment. Mais entre-temps, la conscience des Congolais se rattrape pour dire ben, quelqu'un qui a aussi trahi de cette façon-là ne peut pas, ne mérite pas de continuer à parler en son nom. Les séances plénières sont publiques, mais tout ça s'est passé en huis clos. Pourquoi? Ok. Mais cette question aussi, beaucoup de gens en parlent. Et il est souvent dit, et il est toujours dit ici, que, effectivement, par rapport à cette séance, on a décrété le huis clos. Mais on n'a pas décrété le huis clos pour cacher quoi que ce soit ou pour faire une messe noire. L'article 92 du règlement intérieur stipule que lorsqu'on doit traiter de la levée des immunités parlementaires, on le fait à huis clos. Voilà pourquoi, en respect du règlement intérieur, ne pas le faire à huis clos, c'est lever, c'est violer le règlement intérieur. Non, ne pas le faire à huis clos, c'est violer le règlement intérieur. Parce que, j'ai peut-être omis de le dire, il y a trois principes qui guident l'examen de la levée des immunités parlementaires. Le premier principe, c'est la présomption d'innocence qui nous interdit à nous de vérifier si notre collègue est coupable ou non parce qu'il continue de l'être, c'est-à-dire d'être innocent. Et deuxième principe, c'est la séparation des pouvoirs qui empêche au Parlement d'empiéter sur le pouvoir du pouvoir judiciaire ni de l'empêcher, ça se trouve dans notre Constitution, de l'empêcher de faire son travail. Et troisième principe, c'est le secret de l'instruction. Puisqu'il y a secret de l'instruction, il y a des choses que le public ne doit pas devoir découvrir dans ce que nous vérifions pour lever les immunités parlementaires. Donc, décréter le direct et l'ouverture de la séance au public serait violer le règlement intérieur et en décrétant le huis clos, justement, la plénière de l'Assemblée nationale de ces jours-là est restée dans le droit, dans la droite ligne du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous avez parlé des absentéistes. Roger Lumbala n'était pas là et durant autant de jours. Mais est-ce que Roger Lumbala, les cas Roger Lumbala, il y a des ramifications avec l'homme 23. On parle aussi des députés CNDP,
Est-ce qu'on va invalider le député CNDP? Aujourd'hui, on sait que le 23, c'est les dissidents de CNDP. Mais vous venez de dire. Vous venez de dire que les NBP, les CNBP... Les CNDP. Oui, CNDP sont les dissidents, que dis-je, les M23, est constitué par les dissidents du CNDP. Effectivement, l'opinion est très écœurée de trouver que Roger Lumbala et son parti, le RCDN, sont pris en chasse par tout le monde parce qu'ils se sont déclarés s'allier au M23. Et ils auraient voulu, effectivement, l'opinion aurait voulu que les députés CNDP que nous avons, nos collègues CNDP, subissent le même sort. Mais attention, attention, nous ne devons pas, à cause de la passion, tendre vers l'arbitraire. Les collègues, avons-nous à leur reprocher, à eux directement? Ce sont les représentants d'une certaine population. Est-ce que cette population est d'accord avec le M23? Est-ce que les collègues eux-mêmes sont d'accord avec le M23? Ça, ce sont des vérifications à avant faire. Avant de les poursuivre, il faut qu'ils se déclarent ouvertement être membre du M23, c'est ça? Non, il faut qu'ils se déclarent. Et il faut se déclarer. Il faut qu'ils se déclarent. Et les poursuites ne sont jamais déclenchées par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas son pouvoir. L'Assemblée nationale... À qui lever le pouvoir de diligenter les enquêtes? Mais le procureur général de la République... C'est lui qui assure la plénitude de l'action publique. Le pouvoir judiciaire. Oui, c'est le pouvoir judiciaire qui doit saisir, après avoir fait des enquêtes nécessaires, qui doit saisir l'Assemblée nationale au fait d'obtenir la levée des immunités parlementaires éventuellement de ses collègues. Mais jusqu'à ce jour, l'Assemblée nationale, à ma connaissance, n'est pas encore saisie d'un réquisitoire quelconque tendant à mettre en cause ces honorables députés. Et les poursuivre simplement à notre niveau, ça serait de l'arbitraire et même de la vengeance tout à fait aveugle et qui risquerait. Mais bien entendu, l'opinion aurait voulu que nos collègues députés CNDP se déclarent aussi prendre leur distance vis-à-vis du M23. Mais ça, ça relève de la morale politique. Ça relève de la morale politique. Et nous, je ne vois pas au niveau de l'Assemblée nationale qu'on puisse se saisir directement de ses collègues, de les mettre en accusation, etc. etc. Non. Pourquoi la création d'une commission spéciale est-ce que c'est légal? Mais la commission spéciale est justement organisée par l'article 92. Parce que le procureur général vous saisit pour obtenir l'autorisation de poursuite. On constitue une commission spéciale composée de nombres paritaires, de groupes parlementaires. C'est ainsi que notre commission a été composée de 15 députés représentant les groupes majorité opposition. Majorité opposition. Et le bureau a été composé de deux membres de l'opposition, de deux membres de la majorité. Et la sérénité a régné pendant les débats. Et ça a été très intéressant de voir que on a, pour une première fois, instruit sérénement les débats et serré les choses pour qu'on arrive à établir ce qu'on a établi. Professeur honorable Kamukuni, vous êtes professeur d'université. Dans tout le travail que vous avez fait dans votre commission spéciale, avez-vous réellement respecté le texte? Si nous n'avions pas respecté le texte, vous saviez... quand les avocats du collègue Diomi sont venus à la commission, aussitôt après, ils se sont livrés à la presse, violant le secret de l'instruction. Jusqu'à la fin, jusqu'à la clôture, la commission est restée sereine et n'a pas répliqué à ça. Il n'est pas tombé dans le piège, il a respecté les principes. Nous avons respecté scrupuleusement les textes. Nous avons fait des contacts personnels avec le collègue Diomi pour qu'il vienne personnellement nous expliquer l'impertinence de la demande du procureur général de la République. Jusqu'à la clôture du débat, nous n'avons pas découvert cette impertinence. Voilà pourquoi nous avons proposé la levée de l'immunité parlementaire au niveau de la plénière. Ambroise Kamukuni, député national, président de la commission spéciale, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.
Casarema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans un album signé Adorons les grands rois sur support DVD, s'il vous plaît, avec une plaie de chansons mythiques telles que Tu dois changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénis les mariages. Ma papa pe ba maman, bona bana, bili bota mobimba, pe na ba fête nyonso bolingaka, album ya kitoko, yangoyo, ba image pour tous. Disponible chez tous les bons disquaires de la place. Achetez l'original. Adorons les grands rois en support DVD avec une pléiade de chansons mythiques telles que Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénis le mariage. DVD Bozelaki, Ponaba Mama, Ba Papa, Bibana. En bref, famille Mobimba. Adorons les grands rois en support DVD. Achetez l'original. À Paris chez Capem, promotion pour les fêtes. Capem Mukondia Agence. Capem Agence Yabananza. Promotion chez Capem Kozanga Tendeko. Yakamba na Capem Otinda Biloko na yo. Du nouveau chez Capem Multimo à Paris. Promotion. Vous avez des marchandises que vous souhaitez envoyer à Kinshasa, en RDC Congo et partout en République démocratique du Congo. Venez chez Capem Multimo à Paris. Promotion. Donc, il y a 9h pour 10h pile. 10h pile, 10h 2 minutes, bien mieux dans le Kingo, c'est bon. Ah ouais, tout travers en manière. Ne manquez pas, ne tardez pas, venez chez Capem, envoyez vos produits. Promotion pour les fêtes. Contact 01 46 06 69 26 ou 06 16 35 41 91 mail capemparis-6multimo@hotmail.fr. Parce que lobby est ayo. Dans le frère Marius Numbuma, zongi les soucis pas à venir. Bien aimé Bondi Maboyamba, album Oyo. Tu es capable. Nangolo Nzambe, album Oyo. Bondi Kozela Mingi, à Paris, à Belgique, en Hollande, en Angleterre, partout en Europe. Voici l'album Tu es capable. www.casarema.fr Bala Otolobi, Zambaza Roulage. Bien-aimés dans les seigneurs, le frère Nixon Navinga avec son album Mon Berger. Pour vous, pour nous, question de louer l'éternel. Frère Nixon Mavinga avec l'album Mon Berger, bah yeah. Nasombate, Nazoa Zero, album Mon Berger, disponible sur cassette, CD, DVD, Banzembo Kitoko, Boyoka Banzembo, mes frères Nixon Mavinga, l'album Mon Berger, bah yeah.
frère Nixon Mavinga a célébré album Mon Berger sur le marché. Bobina Kawapie. Bobina la mokondit. Album Mon Berger yango yo Banzembo kitoko, banzembo le rôle à Matea. En même temps, ezo binisa yo, en même temps ezo teya yo. Boya boye, ezalate. Ezaninié. N'album Mon Berger, Satanazui 0. Nasombate jamais.